Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Enfin, ça m'a fait plaisir. Bonsoir, Marie. Bravo, parce que tu n'as pas eu de catastrophe dans la journée. Je m'en fous, c'est que c'est pas indifférent d'envoyer quelqu'un en prison. Mais vous mettez les gens dans l'obligation d'avoir un avis sur les sujets qu'ils connaissent pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit sans moi, d'accord? Donc je ne vais pas venir ici pour commenter Balkany. Je viens vous parler du procès politique entre Jean-Luc Mélenchon et ses camarades. Ouais. Je ne sais, si vous voulez, vous autres journalistes, ça devrait au moins vous exciter. Madame Belloubet, garde des Sceaux, vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire. Parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois, il y a longtemps, comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte. Il faut que votre indigne... Ça suffit, monsieur Macron. Ceci est encore une république et une démocratie. Et je ne suis pas un passant dans la rue. Je suis le président du groupe parlementaire. J'ai vu la veille, d'accord? Il avait mis un scotch sur sa porte, je suis pas là. Ils sont pas entrés. Moi, ils sont entrés. C'est une honte ce qui s'est fait là. Enfin, vous vous rendez compte? Je suis le président d'un groupe d'opposition parlementaire. Il n'y a pas un pays au monde où on fait ça. Et où on a... Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir.